des dernières années, la croissance exponentielle de l'industrie automobile chinoise a surpris l'Occident, notamment avec l'ascension de la marque chinoise BYD dans le top 10 mondial l'année dernière, dépassant les géants allemands Mercedes-Benz et BMW. Cette réalisation significative met en évidence la présence mondiale croissante des marques chinoises, particulièrement dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle. Selon un récent article du Financial Times intitulé « Can Chinese Electric Vehicles Lead a Global Automotive Consumer Upgrade ?», avec les tendances actuelles, il est probable que 3 à 4 marques automobiles chinoises pourraient intégrer le top 10 mondial dans les 5 prochaines années. Les inquiétudes des médias britanniques sont bien fondées. En janvier 2024, 3 constructeurs automobiles chinois ont secoué l'industrie avec leurs chiffres de vente mensuels. Geely Automobile a vendu 213 000 véhicules, Chery Automobile en a vendu 200 900 et les ventes de véhicules de tourisme de la marque Changan ont atteint 233 500 unités. En ajoutant BYD, qui dépasse régulièrement les 200 000 ventes mensuelles, ces chiffres soulignent une trajectoire solide vers le top 10 mondial. Tout en atteignant le succès national, les constructeurs automobiles chinois s'étendent également de manière agressive sur les marchés internationaux. Des marques telles que BYD, Geely, Chery et Changan réalisent des percées impressionnantes à l'étranger, renforçant le statut mondial des constructeurs chinois. Parmi les marques de véhicules à énergie nouvelle les plus notables, BYD s'est particulièrement distinguée. En 2023, BYD a vendu 3,02 millions d'unités, se classant 9e au niveau mondial. C'est la première fois qu'un constructeur automobile chinois atteint le top 10. Au premier trimestre de cette année, BYD a continué de dominer avec des ventes cumulées dépassant les 620 000 véhicules. Le président de BYD, Wang Xuanfu, a annoncé un objectif de 3,6 millions de ventes de véhicules en 2024, ce qui consolidera davantage la position de BYD sur le marché mondial. Geely Holding a également fait preuve de grande compétitivité. Avec des ventes totales atteignant environ 2,79 millions de véhicules en 2023, Geely s'est classé 11e au niveau mondial, juste derrière Suzuki. Li Shufu, président de Geely Holding, a révélé un objectif de croissance de 20%, visant des ventes de 3,35 millions de véhicules cette année, ce qui pourrait bientôt les propulser dans le top 10 mondial. Changan Automobile, un acteur clé parmi les entreprises d'État chinoises, a vendu 2,55 millions de véhicules en 2023, se classant comme le 4e plus grand constructeur automobile de Chine. Changan vise un volume total de ventes de 5 millions de véhicules d'ici 2030, l'orientant vers le statut d'entreprise automobile de classe mondiale. Les performances internationales de Chery ont également été remarquables. En 2023, les ventes mondiales de Chery ont atteint 1,88 million d'unités, soit une augmentation de 52,6% par rapport à l'année précédente. Au seul premier trimestre, Chery a vendu 529 604 véhicules, en hausse de 60,3% par rapport à l'année précédente, l'orientant vers une probable intégration du top 10 mondial prochainement. Ces réussites sont en grande partie attribuées aux avantages distinctifs détenus par les marques chinoises en matière de développement de produits, d'assurance qualité et de gestion de la chaîne d'approvisionnement en batterie. Des rapports de MC Kinsey indiquent que le coût moyen au kilomètre pour les modèles électriques chinois testés est d'environ 21 km pour 10 000 RMB, contre 11 km pour 10 000 RMB pour les modèles internationaux. Les exportations de véhicules à énergie nouvelle chinois devraient maintenir une croissance rapide dans les années à venir. Après avoir manqué l'opportunité de dominer le marché des véhicules à moteur traditionnel, la Chine se transforme rapidement en une puissance pour les véhicules à énergie nouvelle, réalisant un succès remarquable. Les nations occidentales s'inquiètent de plus en plus de l'ascension des constructeurs automobiles chinois sur le marché mondial. Tout d'abord, l'amélioration de la qualité et de la compétitivité des véhicules des marques chinoises pose des défis aux constructeurs automobiles occidentaux, qui font face à une concurrence croissante alors que les entreprises chinoises s'étendent avec succès à l'étranger. De plus, le leadership des entreprises chinoises dans le secteur des véhicules à énergie nouvelle soulève des préoccupations en Occident. À mesure que les capacités technologiques et la capacité de production de la Chine en matière de véhicules électriques continuent d'avancer, les constructeurs automobiles occidentaux sont contraints de réévaluer leur stratégie.
le développement rapide de la technologie chinoise des véhicules électriques a un impact significatif sur le marché automobile mondial. En outre, les innovations chinoises dans les véhicules intelligents exercent une pression supplémentaire sur les fabricants occidentaux. Les avancées significatives de la Chine dans la conduite autonome et les technologies intelligentes offrent aux entreprises chinoises des avantages compétitifs accrus au niveau international. En revanche, les constructeurs automobiles occidentaux, qui sont à la traîne dans ces technologies, font face à des défis croissants. Les constructeurs automobiles occidentaux sont également confrontés à des dilemmes internes, tels que le retrait de l'Union européenne de son plan d'interdire la vente de véhicules à moteur à combustion d'ici 2030, indiquant une réévaluation des stratégies de développement des véhicules électriques. De même, l'abandon du projet de voiture électrique par Apple et le ralentissement des efforts d'électrification de Mercedes-Benz, General Motors et Ford reflètent les incertitudes auxquelles font face les constructeurs automobiles occidentaux pour naviguer dans l'évolution des véhicules électriques. Un cadre supérieur de Toyota Amérique du Nord a exprimé une préférence pour acheter des crédits plutôt que de gaspiller de l'argent sur les véhicules électriques, mettant en lumière un scepticisme généralisé quant à l'avenir des véhicules électriques parmi les constructeurs automobiles occidentaux et leurs appréhensions concernant les avancées rapides de la Chine dans ce domaine. L'entrée imminente des constructeurs automobiles chinois dans le top 10 mondial a suscité des craintes parmi les médias occidentaux et les industries automobiles, alimentées par la croissance rapide des ventes, de la technologie et de l'influence mondiale des entreprises chinoises. La première moitié de l'ère des véhicules à énergie nouvelle est axée sur l'électrification, tandis que la seconde se concentrera sur l'intelligence. L'essor de l'intelligence artificielle générative révolutionne les technologies de conduite autonome, potentiellement transformant le paysage automobile mondial et ayant un impact significatif sur la compétitivité des constructeurs automobiles chinois. À mesure que les entreprises chinoises continuent de progresser dans ces domaines, leur influence sur le marché mondial est amenée à s'étendre davantage. La conduite autonome implique des véhicules aidant ou remplaçant entièrement les conducteurs humains grâce à des capteurs sophistiqués, des contrôleurs, des actionneurs et des modules de communication. Avec l'avancée rapide de l'intelligence artificielle, de la communication 5G et des technologies de Big Data en Chine, les entreprises chinoises progressent rapidement dans la chaîne d'approvisionnement des systèmes de conduite intelligente, avec un taux croissant de substitution nationale. De nombreuses entreprises technologiques chinoises émergent dans des domaines tels que les caméras, les radars à ultrasons, les puces, les contrôleurs de domaine et les systèmes de freinage par fil. La conduite intelligente génère également des données sur les opérations des véhicules, les conditions routières et les comportements des utilisateurs, qui, lorsqu'elles sont utilisées efficacement, peuvent grandement améliorer l'efficacité de la vie et du travail des utilisateurs. À ce jour, 21 villes en Chine, y compris Pékin, Wuhan, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen, ont publié des politiques locales pour les tests de conduite autonome, et plus de 60 entreprises ont obtenu des licences pour ces tests. Les avancées soutenues par l'intelligence artificielle ont donné à l'industrie automobile chinoise et aux industries de logiciels associés un avantage compétitif sur leurs rivaux. Les prévisions suggèrent qu'à la fin de cette décennie, le marché des voitures intelligentes atteindra 100 milliards de dollars. ByteDance a établi le plus grand centre d'intelligence dans l'industrie de la conduite autonome en Chine et a lancé DriveGPT, un modèle génératif similaire à ChatGPT qui s'appuie sur l'apprentissage renforcé par les commentaires humains. En 2022, près de 30% des voitures étaient dotées de capacités de conduite assistée de haut niveau, et ce pourcentage devrait atteindre 70% dans les trois prochaines années. L'essor rapide des véhicules à énergie nouvelle en Chine est principalement dû à la formation d'une chaîne industrielle complète, offrant d'importants avantages de coût. En mettant l'accent sur la recherche en interne, les constructeurs automobiles chinois ont maîtrisé les technologies de base dans les trois systèmes électriques et la conduite intelligente, les rendant moins susceptibles d'influences extérieures et attirant même des géants tels que le groupe Volkswagen et Stellantis pour rechercher une coopération technologique. Pour les véhicules intelligents de niveau supérieur, les entreprises européennes ont déjà commencé à compter sur les entreprises chinoises. Les constructeurs automobiles multinationaux reconnaissent de plus en plus l'importance des véhicules à énergie nouvelle dans la lutte pour le leadership industriel et accordent une grande attention à l'innovation technologique et à la recherche et développement en interne. Les entreprises occidentales doivent comprendre que leur position de leader n'est pas aussi stable qu'elle l'était autrefois.
les marques automobiles chinoises poursuivront leur progression, tandis que les constructeurs automobiles occidentaux doivent renforcer la coopération et les échanges internationaux. Ces tendances émergentes dans l'industrie automobile mondiale auront un impact significatif sur le paysage des véhicules à énergie nouvelle et intelligent. L'avenir du marché mondial de l'automobile dépendra de la capacité des constructeurs automobiles occidentaux à s'adapter et à innover dans ces domaines en rapide évolution.